Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver encore une fois sur Maritime Africa Live. Bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui a été très, très, très apprécié sur les réseaux sociaux quand nous l'avons annoncé, les sociétés de classification dans le domaine maritime. Merci à tous ceux qui nous suivent déjà et qui nous font signe du Sénégal et d'un peu partout. Notre invité du jour s'appelle Mohamed Sissouma. Il est ingénieur et expert naval. Il travaille dans une société de classification internationale à Paris et il est aussi le président de l'association Élite. Bonjour, Mohamed. Bonjour Carlos, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je vais super bien et chez toi. Oui, ça va très bien, ça va. C'est vendredi, donc ça va. Ok, super. Vendredi, on se prépare pour le week-end. Exactement, exactement, c'est ça. Ok, alors, est-ce que tu pourrais mieux te présenter à tous ceux qui nous suivent actuellement? Ok, merci beaucoup Carlos de me donner cette possibilité-là. Je te remercie déjà. Moi, je m'appelle Mohamed Sissouma. Je suis ingénieur expert naval. Et voilà, je suis aussi président de l'association Élite. C'est une association qui fait la promotion de l'excellence académique et professionnelle au service du développement de l'Afrique. Voilà, ben, concernant mon parcours académique. Je suis à la fois ingénieur en sciences de la navigation et aussi ingénieur en maîtrise des risques industriels. Voilà. Et puis, mon expérience professionnelle, j'ai travaillé en tant qu'officier de la marine marchande pendant environ 6 ans. Et après, j'ai travaillé chez EDF pendant 3 ans et aujourd'hui, je suis expert naval. Voilà. Depuis 2020. Je travaille en tant qu'expert naval, donc environ 3 ans maintenant. Ok, super. Nous allons revenir sur ton parcours un peu plus tard, mais dis-moi, quand tu étais enfant, travailler dans le secteur maritime, c'était un rêve? Ah ouais, ça c'est vraiment une très très bonne question. J'aime souvent le dire, pour les jeunes Africains en général, ils ne choisissent pas les métiers parfois, par passion. Et il choisit les métiers par opportunité. Et donc, voilà. Donc, quand j'étais enfant, je ne connaissais pas ce métier. Je connaissais même pas ce qu'on appelait la marine. Bon, la marine, oui, je connaissais, mais la navigation, ce métier-là, je connaissais pas vraiment. Voilà. Donc, à ton enfant, je n'ai jamais pensé être officier de la marine marchande et tout ça. Ok, donc J'avais d'autres tu es rêves, quoi. devenu expert. Tu es Voilà. devenu Je suis expert devenu. naval par opportunité, disons. Voilà. Et bon, expert naval, pas forcément, mais dans le domaine maritime, oui, par opportunité. Maintenant, expert naval, parce que expert naval, c'est un métier qui fait partie du domaine maritime. Et officier de la marine marchande, non, j'ai jamais pensé à ça quand j'étais petit, c'était pas dans mes rêves. Mais après, quand j'ai commencé à travailler dans le domaine maritime, j'ai commencé à comprendre comment ça se passait et l'expertise navale a commencé à m'intéresser. Voilà. Alors, dis-moi, comment est-ce qu'on devient expert naval? Voilà. Mais en fait, expert naval, c'est un métier, comme on le dit, hein, c'est un métier d'expertise. Le profil idéal pour être expert naval, c'est en général, il faut faire du génie maritime, c'est-à-dire être architecte naval. Ça, c'est un profil vraiment général pour être expert naval. Et aussi, il faut faire la différence entre un expert naval et un expert maritime. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font la confusion entre un expert maritime et un expert naval. Un expert naval, c'est celui qui va faire un métier technique sur le navire, c'est-à-dire sur sa construction. Il va apporter une assistance technique. Peut-être qu'on va revenir après sur ça. Et l'expert maritime, lui, il est plutôt dans l'opérationnel, c'est-à-dire qu'il va accompagner les acteurs du domaine maritime dans les procédures administratives. Lié au portuaire ou à la logistique et tout ça. Donc, il y a une petite différence entre l'aspect maritime et l'aspect naval. Donc, du coup, il faut être ingénieur, idéalement ingénieur généraliste aussi.
Et puis aussi, il faut avoir une bonne expérience, puisque c'est un métier d'expertise, donc il faut avoir une bonne expérience dans le domaine maritime, une bonne connaissance du navire. Et puis, un troisième point, il faut être très, très rigoureux techniquement. Voilà, très, très rigoureux. Donc, je pense que c'est ça le profil idéal pour être expert naval. Ok, est-ce qu'on pourrait avoir un peu en ordre ton parcours depuis ta sortie d'université jusqu'au moment où tu es devenu expert naval, pour avoir une idée des expériences que tu as eues avant de devenir expert naval? Merci, Carlos. Bon, là, je vais encore descendre. Hein. Bon, moi, je suis d'origine ivoirienne. Voilà, donc, j'ai eu un bac mathématique. En Côte d'Ivoire, on appelle ça le bac C. Et après le bac C, je suis parti à l'université de Cocody, à l'université d'Abidjan. J'ai fait mathématiques et informatique. Et étant en licence de mathématiques et informatique, j'ai eu une bourse d'études pour aller en Algérie pour faire les études d'ingénieur en sciences de la navigation. Et donc, juste après mes études d'ingénieur en sciences de la navigation, j'ai navigué en tant qu'officier de la marine marchande. Et c'est là-bas que j'ai commencé à comprendre ce qu'on appelait le métier d'espère naval, parce que on avait des espères navals qui venaient contrôler le navire. Et donc, aussi sur les chantiers, j'étais en contact avec des espères navals. Et c'est là-bas que j'ai commencé à aimer ce métier. Et après, j'ai décidé de faire un break. Je suis venu en France. J'ai fait un diplôme, un master, voilà, un double diplôme, master ingénieur, en maîtrise des risques industriels. Et je n'ai plus travaillé dans le domaine maritime. Je suis allé travailler chez EDF, dans une centrale de production d'électricité. Bon, ceux qui connaissent un peu le domaine maritime vont comprendre que le moteur diesel dans les centrales thermiques, c'est la même chose à bord. Et donc, du coup, ça allait très, très bien. J'étais pas vraiment très perdu. Et j'ai travaillé chez EDF pendant 2 ans en tant qu'ingénieur safety process. Voilà. Et après, j'ai voulu revenir dans le domaine maritime. Et j'étais chez Bureau Veritas. Bureau Veritas m'a débauché en Guadeloupe. Et j'ai demandé à Bureau Veritas de revenir dans le domaine maritime, mais cette fois-ci dans l'expertise. Et depuis 2020, je suis expert naval. Donc voici un peu de manière vraiment courte un peu mon profil, comment je suis arrivé à ce métier d'expert naval. Super. Alors, ce qui m'intéresse un peu dans ton parcours, c'est la partie officier de navigation dans la marine marchande. C'était bien ça. Alors, Oui, c'est ça. ça Officier veut de dire que navigation, officier pro. tu étais sur le bateau. Oui, exactement, je naviguais, je conduisais le Et bateau. tu travaillais pour la Côte d'Ivoire ou en France? Non, je travaillais pour l'Algérie. J'ai travaillé sur les Ok. navires algériens. Ok, Voilà, super. mon expérience professionnelle dans le domaine maritime, c'est en Algérie. Très intéressant. Voilà. Je ne savais pas que d'autres nationalités pouvaient travailler sur la marine marchande d'autres pays. Ça, je ne savais Et pas. oui, ça, c'est une question vraiment très pertinente parce qu'il faut une autorisation. Et moi, j'ai eu particulièrement la chance parce que je suis sorti major de promotion. Ah. Et du coup, il y a une entreprise privée qui m'a proposé automatiquement du boulot. Et donc, ils ont fait la démarche pour moi, pour que j'aie cette autorisation. Et le ministère des Transports algérien m'a donné cette autorisation pour battre le pavillon algérien, comme on le dit dans le domaine maritime. Voilà, c'est super, c'est super. Et c'est ça aussi, c'est l'Afrique qu'on veut voir, l'Afrique où toutes les expertises, quel que soit le pays, est utilisée pour les pays africains. Alors, Exactement. avant d'aborder le thème, je suis sûr que tous ceux qui nous suivent d'un peu partout en hâte qu'on aborde le thème, je vais me permettre encore de m'attarder un peu sur ton parcours. Alors, en tant qu'officier, tu as parcouru combien de continents? Ou tes Oh. missions étaient de quels ordres? Ouais, ça c'est une bonne question. Bon, je vais dire un peu mes lignes. Europe, Afrique. Afrique parce que c'est l'Algérie. Ouais, je pense que j'ai navigué essentiellement dans cette zone. Et puis un peu, ouais, c'est l'Europe. Maintenant, je vais plutôt parler des mers. Et ça sera un peu plus intéressant. Ouais, Voilà, je vais plutôt je parler des mers. C'est plus intéressant.
Donc, j'ai navigué beaucoup dans la Méditerranée, voilà, un peu dans l'Atlantique quand je partais en Belgique et je prenais la Manche. Et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la mer d'Égée, la mer Adriatique et la mer Noire du côté de l'Ukraine et de la Russie et la mer de Marmara, Turquie. En fait, plus cette zone-là, Super. Bosphore, le détroit du Bosphore et tout ça. Et quelle mer était plus agitée, te faisait plus peur quand tu conduisais un bateau? Bon, quand je conduisais un bateau, c'est l'Atlantique, hein, parce que l'Atlantique, on a l'impression Atlantique. que quand on rentre, c'est comme si il y a quelque chose qui aspire le navire, voilà, une densité d'eau assez, de mer assez puissante. Et aussi la mer Noire, qui est une mer fermée. Et quand il fait mauvais temps, c'est quand même compliqué parce que les vagues se forment, le vent se forme très, très rapidement et on se retrouve un peu comme si on est dans un canevas. Et la mer était très, 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 très agitée. Donc la mer Noire était quand même une mer aussi dangereuse. Voilà. Super, Maritime Africa Live, c'est aussi ça. C'est aussi découvrir l'expérience, voir de façon pratique le métier du secteur Exactement. maritime. Alors, qu'est-ce qu'une société de classification de façon générale et particulièrement dans le secteur maritime? Ben, en fait, c'est une très très bonne question. Mais en fait, les sociétés de classification, je ne sais pas si les sociétés de classification existent dans d'autres domaines. Ça, je ne sais pas. Mais je sais que dans le domaine maritime, une société de classification, c'est une société qui va donner une cote et un avis. Pour comprendre en réalité la définition d'une société de classification, il faut analyser un peu comment est née en fait les sociétés de classification, parce que c'est assez intéressant. Ce qui s'est passé à Londres, c'est qu'à un moment, les capitaines avec la navigation à Londres, ils se retrouvaient, vous savez, les marins, quand ils arrivent dans un port, ils se font toujours dans un bar et puis ils prennent un verre, ils discutent ensemble et tout ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à Londres, les marins se retrouvaient à chaque fois dans les bars et ils discutaient, ils parlaient des navires, ils parlaient des navires, étant donné que la chose la plus importante pour un client, c'est que il puisse s'assurer que quand on transporte sa marchandise d'un point A à un point B, que sa marchandise arrive en toute sécurité au point B. Ça, c'est la chose la plus importante. Donc, les navires qui n'arrivaient pas à remplir cette mission, c'est-à-dire qu'on perdait soit la marchandise ou soit le navire tombait en panne ou il y avait des problèmes techniques sur le navire, ça veut dire que la mission n'était pas accomplie. Et donc, les navires avaient des réputations, qui étaient des très bons navires, et des capitaines qui étaient des experts donnaient des avis. Attention, ne donne pas ta marchandise à tel navire, il faut donner ta marchandise à tel navire et à tel-ci. Donc, en discutant, ils ont commencé à développer des expertises. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit tout à l'heure, apporter la marchandise en toute sécurité. Donc, on parle d'assurance. Et donc, à un moment, ils se sont dit, ben, pourquoi ne pas créer un organisme où on va donner nos avis techniques, on va donner une cote au navire. On va dire, bon, attention, ce navire-là a une cote de 3 sur 3 au regard de notre analyse technique. Et donc, c'est un navire très solide et en bon état. Du coup, tu peux donner ta marchandise. On va dire, non, ce navire-là a une cote de 1 sur 3, mais c'est une confiance moyenne. On va donner sa marchandise à tel navire. Et ainsi de suite, on va dire, non, ce navire a une cote de 1 sur 4, c'est un très mauvais navire. Donc, faut pas donner ta marchandise à ce navire-là. Et voilà comment les sociétés de classification sont nées. Donc, classer un navire, donner une cote à un navire. Voilà, faut expliquer un peu de manière simpliste. Donc, du coup, c'était les assureurs maritimes qui ont commencé à développer cette activité-là et les capitaines ont commencé à être rémunérés pour donner des cotes à des navires. Voici l'idée de création des sociétés de classification. Maintenant, aujourd'hui, l'activité s'est développée sur d'autres phases. Après, s'il y a une question sur les rôles des sociétés de classification, je vais rentrer un peu plus en détail. Merci beaucoup. Donc, si nous comprenons bien, à la base, une société de classification donnait des notes au navire pour voir la sécurité qu'offrait ce navire aux marchandises qui lui seront confiées. C'était bien Exactement, ça. c'est exactement expliqué de manière très simple. Donc, on va dire, on va coter le navire. On va donner une porte au navire, donc on va le classer. C'est pour ça le mot classer. Voilà. Et
Et aujourd'hui, comme tu as eu à le dire, les rôles d'une société de classification ont évolué. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire des rôles d'une OK. société de classification? Très bonne question. Donc, je vais dire qu'une société de classification a trois rôles. A trois rôles. Le premier rôle, c'est ce que je venais de dire. La société de classification va classer le navire. Donc, c'est une mission privée pour le compte des armateurs et des chantiers. Donc, l'armateur, le chantier va acheter un navire, va demander à une société de classification de classer son navire. Donc, la société va suivre son avis de la construction à l'exploitation jusqu'à la fin de la vie du navire. Mais aujourd'hui, avec la pratique, cette recommandation est devenue comme un peu une obligation parce qu'à partir d'un certain tonnage, il y a des réglementations nationales qui imposent la classification des navires. Par exemple, supérieur à 500 tonneaux, selon le type de navigation. Ça dépend des réglementations nationales. Maintenant, ça, c'est la première. Ça, c'est le premier rôle. Il a classé le navire et c'est une mission, on garde en tête, privée pour le compte des armateurs et des chantiers. Le deuxième rôle d'une société de classification, ça sera la certification des navires. Voilà, ça sera la certification des navires. La certification des navires, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est une mission de service public. Voilà, ça, c'est une mission de service public pour le compte des administrations des autorités maritimes. Ça veut dire que, en fait, en général, les autorités maritimes, c'est-à-dire les États, n'ont pas vraiment de compétences pour certifier les navires parce que et la compétence d'une société de classification est vraiment rarissime. Et donc, les autorités maritimes, l'État du pavillon, comme on le dit, va déléguer cette responsabilité de certification à une société de classification. Donc, ça, c'est le deuxième rôle, certification des navires. C'est une mission de service public pour le compte des administrations et des autorités maritimes. Maintenant, le troisième point que on connaît un peu plus ou moins tout le monde, c'est conseil et assistance technique aux armateurs, aux autorités maritimes, aussi aux acteurs du monde maritime. Donc, c'est une entreprise aussi de conseil et d'assistance technique. Voilà les trois rôles d'une société de classification. On garde la tête. Classification des navires, certification des navires, conseil et assistance technique. Alors, de façon pratique, comment se fait la classification des navires au niveau des armateurs? Parce que je suppose que l'armateur a déjà acheté le navire avant d'aller vers la société de classification. C'est bien ça? Non. OK. Avant même d'acheter le navire, l'armateur va, c'est en fait la classification du navire commence même avant même que le navire ne soit né. C'est-à-dire Super, que très bien. exact avant même que le navire ne soit né. Par exemple, Ouais. quand il va faire son cahier des charges techniques, Oui. l'armateur va dire, je veux que ce navire que je veux construire ou acheter soit classé. Ah bon, je me suis trompé. Il y a deux choses. L'armateur veut construire un navire. Donc, Oui. l'armateur va choisir une société de classification pour construire le navire. Maintenant, l'amateur veut acheter un navire qui existe déjà sur le marché. Oui. Donc, ça veut dire que ce navire a déjà été classé auparavant. OK. Donc, l'amateur peut décider de changer la société de classe. Mais pour comprendre un peu, il faut qu'on parte sur la fondation d'abord. OK. Comment on achète un navire? Comment on construit un navire? Donc, tout navire construit déjà est déjà classé, a déjà une société de classification. Je parle des grands navires. Et Oui. donc, la société de classification va suivre le navire depuis sa construction jusqu'à la fin de sa vie. Donc, il va analyser le design des navires, il va valider les designs des navires, il va suivre le navire sur les chantiers de la construction. Chaque jour, l'expert naval est sur le terrain, il va regarder si ce qu'il a vu dans les plans est effectivement réalisé sur le chantier. Et il va contribuer aussi à la livraison du navire. OK. Voilà. Donc, Et quand on... on peut dire que la société de classification suit étape par étape la construction d'un navire, du design jusqu'à la livraison. Exactement, de la conception du design
jusqu'à la livraison. Et ce n'est pas encore fini. Et même quand le navire est livré, il va Oui. suivre encore, la société va suivre encore l'exploitation du navire. Il va faire des visites quinquennales, des visites annuelles. Il va suivre le navire tout au long de sa vie. Voilà. Vous dites ça, c'est comme ça on dit, il va suivre le navire tout au long de sa Tout vie. au long de sa vie. D'accord. Et maintenant, quand le navire a été déjà acheté et l'armateur veut changer de société de classification, comment ça se fait? Voilà, ça c'est comme j'ai dit, pour la classification des navires, c'est une mission privée. Donc l'amateur peut OK. décider d'échanger la classification, la société des classifications. Elle va contacter une société des classifications pour dire, bon, OK, voici le navire que je vais acheter. Mais ce navire était classé par Bureau Veritas. Maintenant, ça sera classé par DNV. Et donc, automatiquement, ils vont signer un contrat et puis après, ils vont faire le changement des classes. OK, et mais est-ce que selon la société de classification, il y a différents types de classification? Est-ce que les notes diffèrent ou est-ce que les processus sont différents? Oh, ça c'est vraiment une question très très pertinente. Bon, en fait, pour classer un avis, les processus seront à peu près les mêmes, c'est-à-dire la démarche, mais par contre, la réglementation peut différer. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Sur quel référentiel se base la société des classifications pour classer son avis? Ça c'est la chose que je n'ai pas dit, en fait. En fait, la société des classifications écrit elle-même sa réglementation. Donc, c'est sur la base de elle-même sa réglementation qu'elle va classer le navire. Donc, on appelle ça les réglementations de classe. Donc, les sociétés de classification n'ont pas les mêmes réglementations. Attention. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça qui peut différer un peu entre les deux. OK, Mmh. super. Nous avons une intervention là que nous allons prendre très rapidement. Nous avons Vanessa Choubia qui nous demande, qui nous dit, bonjour, les certifications valent combien de temps et sont-elles spécifiques à un périmètre géographique donné? Merci. Merci aussi à vous, Vanessa Choubia. Voilà. Merci à Vanessa pour sa question vraiment très pertinente. Voilà. Les certifications en général des sociétés d'école, ici, la classification. Ici, moi, je parle plutôt de la classification. Quand le navire est classé, il n'y a pas de temps. La société de classification va suivre le navire tout au long de sa vie. Elle va faire des visites quinquennales, des visites annuelles. Maintenant, pour les certifications des navires, c'est relatif aux équipements qui vont sur les navires. En fait, en réalité, la société des classifications ne laisse aucune chose sur le navire sans contrôle, du petit disjoncteur jusqu'au grand moteur. Il va suivre tout, tout et tout. Donc, par exemple, le disjoncteur, on va dire, le disjoncteur doit être certifié. Nous, on appelle ça le Type Approval Certificate. Donc, ce disjoncteur, quand il est certifié, il a 5 ans. 5 ans. Maintenant, la question pertinente, dans le périmètre géographique. Donc, il y a des zones qui ont défini elles-mêmes leur réglementation. Par exemple, l'Union européenne a défini une réglementation qu'ils appellent Med Equipment. Donc, tous les certificats, ils ont recensé quelques équipements qui seront certifiés au regard de la réglementation européenne qu'on les appelle la réglementation Marine Equipment Med. Et donc, ces certifications-là ont une durée de 5 ans. Donc ça, c'est la zone pour l'Europe. Et aussi, aux États-Unis aussi, ils ont des équipements aussi qui doivent être certifiés quand ces équipements sont sur ces navires. Mais en général, selon le périmètre, la durée, c'est 5 ans. 5 ans en général pour un équipement. Voilà. Merci beaucoup Donc, pour il faut cette. retenir que la certification, c'est plutôt pour les équipements qui vont sur les navires. La classification sur le navire lui-même. Oh. D'accord. Alors, nous étions en train de parler tout à l'heure du cas où c'est l'armateur qui va vers la société de classification. Qu'en est-il de quand la société navale, le chantier naval, va vers l'entreprise de classification. Mais Quels sont les cas possibles? en fait, le chantier naval, ce qui est intéressant, c'est que la société de classification se retrouve entre deux personnes, entre deux clients.
La société de classification devient un peu comme un arbitre, en fait. Mais il est toujours en contrat avec l'armateur, en général. Le plus souvent, il est en contrat avec l'armateur, parce que c'est l'armateur qui a le navire. Le chantier construit le navire. Maintenant, le chantier peut recommander une société de classification à un armateur, parce que le chantier sait comment cette société de classification travaille. Et le chantier connaît la réglementation de manière approfondie, le règlement de cette société de classification. Voici un peu ce qui peut se passer. OK, Donc, d'accord. parfois, la société de classification peut avoir du contrat grâce au chantier, OK. mais le contrat, en général, existe entre la société de classification et l'armateur. OK, super. Nous avons un apport de Marie Ashley Nadan qui dit, juste, les sociétés de classification sont regroupées au sein de l'IAC. Qui pose des règles de base pour les classifications. International Association Classification Society. Donc ça, c'est bon, c'est vrai que je suis allé très vite quand j'ai parlé un peu des sociétés de classification. En fait, les sociétés de classification, bon, une société de classification, si on veut voir de manière un peu subtile, relève même de la souveraineté d'un État. La première société de classification au monde, c'est Bureau Veritas, qui a été créée en 1828. En Par 1828. quel pays? En Belgique, mais c'est la France, mais c'est une française. On appelle la française Bureau Veritas. Ça a été créé en Anvers. Et donc, les plus anciennes sociétés de classification et les plus expérimentées sont regroupées au sein d'une association qu'on appelle l'IACS, International Association Classification Societies. Donc, ils ont plus d'expérience dans le domaine de règlement des classes. Donc, ils ont ce qu'on appelle les United Regulation. Ils ont fait les réglementations en commun. Je ne sais pas ce que vous voyez. Et ces réglementations, on va les appliquer sur les équipements, sur les certificats, de telle manière que on se retrouve pas toujours en train de dire, bon, cet équipement est certifié Bureau Veritas, mais c'est pas certifié DNV, c'est pas certifié American Bureau Shipping, c'est pas certifié China Society Classification. Voilà. Donc, il faut se regrouper au sein d'une société. Et puis, ces sociétés aussi, puisqu'elles sont en association, elles vont proposer parfois des réglementations à l'OMI, à l'Organisation Maritime Internationale, et aussi proposer des recommandations pour appliquer le règlement des sociétés de classification de l'OMI. Voilà, et le règlement des. Les règles de l'OMI, la réglementation Organisation Maritime Internationale. Voilà. OK, merci beaucoup, Maria Ashley Nadan, pour cet apport. Alors, venons-en maintenant à la certification. Alors, pourquoi est-ce qu'une société nationale maritime va demander à une société de classification de certifier un navire? Dans quel cas et pourquoi? Attends, tu peux répondre. Pourquoi une société de... Une société maritime nationale, Voilà, une entreprise maritime nationale. nationale demanderait à une société de classification de certifier un navire. Et quels sont Bon, OK, très bien. les cas possibles? OK. Bon, quand tu dis une société nationale maritime, tu parles de... Je vais comprendre bien ta question, hein. En fait, une société, c'est une société normale, par exemple, ça peut être c'est une entreprise qui a des navires, qui fait une activité de transport maritime. Ou bien c'est l'État qui demande. Parce que l'État peut pas demander l'État peut déléguer la responsabilité pour certifier des équipements. Parce que je vais bien t'expliquer. Il y a ce qu'on appelle les règlements de classe et puis il y a ce qu'on appelle les règlements statutaires. OK? Les règlements des classes, c'est ce que j'ai dit, ce sont les réglementations que les sociétés de classification écrivent. Elles vont écrire elles-mêmes leurs réglementations. Les règlements des classes, en général, ce sont les conventions internationales. Elles vont plutôt se focaliser sur la sauvetage, par exemple, de la vie en mer, sur la prévention de la pollution. Le règlement des classes, les sociétés de classification vont plutôt se focaliser sur la régulation de l'industrie. Donc, c'est sur les matériaux, la solidité des structures et les machines. Donc, on n'a pas les mêmes objectifs.
Maintenant, quand la société, un État du pavillon va déléguer sa responsabilité à une société de classification pour faire appliquer soit les réglementations internes, les conventions internationales, qui sont par exemple la SOLAS, sauvetage de la vie en mer, aux navires qui viennent sur son territoire pour s'assurer que ces navires-là respectent cette réglementation. Ou même ces navires lui-même, ces navires qui battent son pavillon. Voilà. Donc c'est ça. Et donc, dans ce cas-là, la société de classification va suivre cela. Donc, il va demander ça. Je pense que ta question, c'était ça, en Oui, réalité. voilà. Merci beaucoup. Exactement. C'est répondu. Nous avons une question de Cyril Balegel-Bell qui dit, qui paie la classification du navire? Oui, la classification du navire, comme je l'ai dit tantôt, c'est un contrat entre l'armateur et la société des classifications. Donc, c'est l'armateur qui paye la classification du navire. Parce que si c'est son navire, l'armateur a besoin d'une cote. Et quand l'armateur aura une cote, les sociétés d'assurance vont assurer son avis. Parce que l'amateur va dire, bon, j'ai un navire de tant, tant, tant mètres, tant, 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 tant. Et donc, ce navire est classé tant. Voilà. Super. Nous avons Diediou Kek qui nous dit en fait, c'est plus pour répondre aux normes de sécurité en transport maritime, surtout pour les navires qui doivent respecter certaines normes internationales sur la construction des navires. Merci beaucoup, Kek, pour cet apport. Alors, nous sommes passés de la classification des navires à la certification et nous en sommes maintenant au conseil et assistance technique. Parce que vous avez, et tu as eu à dire, donc les sociétés de classification offrent aussi des services de Oui, consultation et d'assistance. Alors, de façon exactement. pratique, quels sont ces services et comment ça se passe? Bon, par exemple, moi, je suis. C'est vrai que moi, je suis expert naval. Donc, moi, je suis dans la partie design assessment. Design assessment, ça veut dire l'évaluation du design des navires. Il y a beaucoup de standards qui sortent dans le domaine maritime. Ceux qui connaissent très bien le domaine maritime voient qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de standards. Donc, ça peut être, par exemple, compliqué pour l'armateur d'analyser, par exemple, ces réglementations pour voir si ces réglementations sont applicables à son navire ou pas. L'armateur peut demander l'assistance technique à la société des classifications qui va l'aider à trouver, à comprendre cette réglementation. Donc, ça peut être ainsi. Un point de conseil. Aussi, un autre point, c'est aussi le navire, par exemple, tombe en panne. Voilà, le navire en panne. L'amateur cherche à trouver une solution. L'amateur peut contacter une société de classification pour trouver la solution avec cette société-là pour résoudre le problème pour son avis. Ça, c'est un point. Maintenant, le deuxième point qui est le troisième point qui est assez intéressant et qui est très fréquent pour les sociétés de classification, c'est quoi? C'est que, par exemple, à bord, il y a un commandant. Il y a ce qu'on appelle un DPA, Design Person Ashore. C'est-à-dire, c'est le DPA, par exemple, qui va accompagner le commandant lorsque le commandant est dans une situation d'urgence en pleine mer. Le commandant demande une assistance. Le commandant doit prendre une décision par rapport à une situation. Le commandant va contacter la personne qui est désignée à terre. Bon, comment je peux résoudre ce problème-là? Et donc, étant dans la situation d'urgence, parfois, ce service-là, l'armateur va donner une société de classification. Et il y a une équipe qui est là spécialement, par exemple, chez nous, à Bureau-Veritas, il y a une équipe qui est là spécialement, qui répond aux problématiques des navires. Dès qu'il y a un commandant qui a un problème, va contacter Bureau Veritas et ils ne dorment presque jamais. Ils sont là, ils font la relève et tout ça. Ils apportent des assistances techniques pour résoudre les problèmes chaque jour au navire pour accompagner le commandant dans sa prise de décision. Ça peut être, par exemple, abandonner le navire. Il y a beaucoup de situations. Voilà. Donc, ça, c'est l'assistance technique, les différents types d'assistance technique qu'on peut apporter, qu'une société de classification peut apporter à un armateur. Et puis aussi, il y a la formation. Il y a aussi la formation et tout ça. Ah, super. J'aime bien la partie où le capitaine peut appeler à n'importe quelle heure
la société de classification. Alors, ceux qui font ce travail, c'est vrai que qu'on va revenir après sur les différents métiers, mais ceux qui font ce travail, ils sont nommés par quel thème? Ceux qui sont là à porter ce travail de chaque instant, Ah, cet du assistant de chaque ERS, instant. Emergency Response System. Bon, en fait, ils sont là, c'est des gens comme moi, par exemple. Moi, demain, je peux demander à travailler sur la partie, mais quand tu travailles dans cette partie, tu as ta responsabilité parce qu'il y a une partie stabilité. Par exemple, le commandant, je te donne un cas pratique. Voie d'eau à bord. Le commandant analyse la situation. Il se pose la question, j'abandonne le navire ou pas? Il peut contacter. Automatiquement, la société de classification va demander toutes les informations. On sait que c'est tel navire qui fait partie de nos bases de données. On va regarder toutes les informations. On va demander les informations de manière dynamique. On va calculer la stabilité. On va calculer la probabilité. On va dire, bon, OK, avec cette voie d'eau-là, on pense que le navire ne va pas couler. Tu peux continuer à naviguer pendant telle heure. Pendant, voilà, ça, c'est un exemple d'assistance. Donc, c'est la partie. L'ESPEC a une compétence en stabilité qui va calculer. Et donc, il y a plusieurs types de compétences dans cette cellule d'urgence. Je pense que c'est le thème approprié. Dans cette cellule d'urgence de gérer Cellule l'assistance technique. d'urgence. OK. Voilà. Donc, c'est selon ton Super. expertise, tu peux faire partie de cette équipe. OK, super. Nous avons plusieurs questions déjà. Nous avons M. C'est une Eni Yeo question. qui dit combien coûte la classification d'un navire? Ça me fait rire sa question. Mais il y a quelque chose qui va étonner un peu les gens, c'est que la classification d'un navire, en général, les sociétés de classification, le coût même de la classification, ben, au départ, c'est un coût qui est dynamique, puisque dans un premier temps, on va classer le navire. Après, on va suivre le navire. Donc, c'est un contrat qui va durer dans le temps. C'est pas, on va payer une fois. Mais par contre, la partie design, je pense que ça dépend du type de navire, ça dépend du plan, mais où la société de classification gagne un peu plus, beaucoup d'argent, parce que quand tu classes un navire, tu dois certifier tous les équipements qui viennent sur le navire, mais sous ta réglementation. Et c'est en ce moment-là que la société de classification va se faire beaucoup d'argent, parce qu'elle va certifier tous ses équipements. Voilà, c'est un peu ça. Mais le coût de la certification, ça varie, hein. Il n'y a pas un prix, ça dépend du type de navire, ça dépend du type de navire. Voilà. Moi, je suis plutôt dans la Super. partie vraiment technique, donc voilà quoi. OK, super. Nous avons M. Tchèque qui nous a revenu en disant aussi sur la pollution maritime, il y a des normes internationales à respecter. MARPOL surtout, Ballast Water Management, BWM, sur les normes de ballast et de déballastage. Merci Oui, beaucoup, Monsieur. exactement. Ça, ce sont les conventions. Ça fait partie de la partie, comme j'ai dit, statutaire. C'est sur la partie un peu statutaire. On va respecter, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a la partie sauvetage en mer, il y a la partie prévention de la pollution. Dans la partie, on a la MARPOL, Marine Pollution, on a le Ballast OK. Water Management. Il faut ajouter Treatment System. Voilà. Le ballast water treatment system. Voilà, je OK. pense que c'est plus ça qui est en gros. D'accord. Nous avons, oui, Monsieur Cyril Balégel-Bel qui revient en disant, est-ce que la classification est obligatoire ou bien c'est plus un usage? Ouais, ça, c'est une question vraiment très pertinente. Hervé a répondu à ça quand je parlais tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, normalement, la classification, ce n'est pas obligatoire, normalement. Mais ça peut devenir obligatoire si l'état du pavillon, puisque l'état du pavillon, une autorité a le droit de mettre en place des réglementations dans sa zone, des réglementations nationales. Donc, elle peut dire, à partir d'un certain tonnage, il faut que le navire soit classé. Donc, forcément, quand on a un navire qui a plus de 500 tonneaux, forcément, le navire va se placer. Et puis, deuxième point, ce n'est pas une obligation, mais qui devient une recommandation quand même un peu obligatoire, tacitement. Pourquoi? Parce que si ton navire n'est pas classé, aucun assureur ne va t'assurer. Aucun. Donc, forcément, tu seras classé. Voilà. Donc, OK. c'est ça. Donc, on peut dire que c'est subtilement obligatoire parce que sans ça,
c'est pas évident que l'armateur fasse un bon chiffre d'affaires. Exactement. Et puis pour l'armateur lui-même, puisque quand il va classer son avis, le chantier ne va pas faire n'importe quoi sur son avis, parce que la société, parce qu'on va suivre sa construction de A à Z. Exactement. OK. Merci à tous ceux qui nous posent des questions. Mohamed Sisouma est là et vous pouvez toujours continuer. Nous allons passer maintenant au métier des sociétés de classification. Quels sont les différents métiers qui se trouvent au sein d'une société de classification et quels sont leurs rôles? OK. Bon, dans la partie expertise navale, dans les métiers qui se trouvent au sein d'une société de classification, bon, je vais essayer de décomposer. Il y a ce que nous, on appelle surveyor à tillade. Surveyor à tillade, c'est l'expert qui est sur le chantier naval. Voilà, je parle de lui. Voilà. Donc, je vais commencer du chantier et pour monter jusqu'à la conception. Ou bien non, je pense que c'est plus simple de monter de la conception et aller sur le chantier. Quand on construit un navire, on fait son design. Et le design, avant de construire un navire, il faut que ce design soit validé. Ça, c'est moi, mon métier. Donc, moi, je suis expert en design assessment. Et aussi, j'apporte de l'assistance technique. Donc, je m'assure que les règles de la technique de la construction sont respectées. Et j'évalue le design des navires selon la réglementation que nous avons écrite Bureau Veritas. Donc, moi, on m'appelle SPR LPO Design Assessment. Donc, je suis à la conception même du navire. Et il y a aussi l'expert qu'on appelle l'expert en équipement. C'est-à-dire, c'est l'expert qui, lui, c'est un expert de terrain qui va partir suivre tous les essais des équipements que nous cuissons, que le fabricant, chez le fabricant, ça peut être le moteur électrique. Tous les équipements qui doivent aller à bord doivent être certifiés. Et donc, l'expert BVN, nous on l'appelle BVN ici, il ira chez le fabricant, il va regarder comment le fabricant fait les essais, il va s'assurer que les normes de performance de chaque équipement sont respectées. Donc, ça, c'est une activité de l'expert, ça c'est l'expert équipement, mais on l'appelle BVN. Et puis, il y a aussi l'expert sur le chantier. Donc, ça, je parle de nouvelle construction. Ça, c'est nouvelle construction seulement. Et maintenant, il y a aussi l'expert chantier qui va s'assurer que moi, ce que j'ai regardé sur le design des navires est effectivement réalisé à bord. Et parfois, je peux lui dire, il y a des choses que je ne peux pas voir sur le pont, je peux lui dire, ah, regarde ça, est-ce que c'est bon ou pas? Et là, il va regarder. Et lui aussi, il va suivre les essais, étapes de construction jusqu'à la fin. Et puis après, il va faire les essais avec le chantier et l'armateur. Donc, pour la partie de nouvelle construction, on a l'expert en design assessment, on a l'expert équipementier, c'est-à-dire il va suivre certification des équipements chez les fabricants. Ça peut être Schneider Electric, ça peut être General Electric, ça peut être les équipementiers, les équipements de navigation et tout ça. Et puis, il y a l'expert du chantier naval qui est tout le temps sur le chantier, qui tourne, qui suit tout ce qui se passe sur le chantier, qui s'assure que les designs sont respectés. Ça, c'est une nouvelle construction. Maintenant, il y a navire en service. Et ça, c'est l'expert que presque tout le monde connaît, en fait. Les navires en service, c'est l'expert qui va venir à bord, qui va s'assurer que les certificats de classe sont là. Par exemple, certificat de jauge, certificat de franc-bord, voilà, tous ces certificats-là. Il va s'assurer que ces certificats-là sont à bord. Donc, l'ESPE, il va venir, il va s'assurer aussi que l'ISM Code, International Safety Management, il va s'assurer aussi que l'ISPS Code est respecté à bord. Et donc, il est en contact avec le navire en service, c'est-à-dire le navire est fabriqué, maintenant le navire est en service. Donc, il va suivre ce qui se passe. Il va aussi faire les visites annuelles et puis les visites quinquennales. Voilà, lui aussi. Lorsqu'il a une modification sur le navire, lui, il va informer, il va s'assurer que la modification est prise en compte et que les designs reviennent vers moi, que j'analyse encore le design. Et si le navire doit aller en chantier, le navire ira en chantier et l'expert chantier aussi va vérifier aussi cette partie. Donc, ça, c'est l'expert, on appelle l'expert en avion en service et c'est celui que tout le monde connaît et c'est celui que moi, je connaissais avant de rentrer dans cette activité de société de classification. Et puis, il y a l'ESPE, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'ESPE qui va faire le contrôle des navires
pour l'état du pavillon. Voilà, c'est l'inspecteur qui va faire le contrôle des navires pour l'état du pavillon. Donc, il va aller contrôler les navires, s'assurer que ces navires-là ont tous les certificats requis au regard des conventions internationales, s'assurer que les réglementations internationales sont respectées, et tout ça, la Marpol, le Ballast Water Treatment System, le sauvetage en mer, c'est s'assurer que les équipements abandonnés sont à bord, les LSA, Life Safety Appliance, voilà. Lui, il va faire son contrôle au nom de l'état du pavillon. Et j'ai oublié l'état du port, mais ça, on va revenir sur ça. Voilà. Et donc, c'est ça les activités d'une société de classification, les activités qu'on peut avoir, les métiers d'une société de classification, si je résume bien. Super, très intéressant. Alors, nous allons partir des diplômes, ou plutôt des compétences pour aller à ces métiers. Nous avons plusieurs personnes qui travaillent déjà dans le secteur ou qui sont étudiants et qui veulent travailler dans une société de classification. Quels sont les différents profils? Déjà Voilà. pour des personnes qui travaillent déjà et pour des étudiants. Voilà. Idéalement, le profil, c'est avoir une connaissance dans le domaine maritime. Les officiers de la marine maçonne, officiers pont, les anciens officiers, officiers pont ou officiers machine, eux, ils ont beaucoup de chances de travailler dans les circuits de classification, mais en tant que, ils ont plus de chances de travailler en tant qu'experts. Navires en service, parce qu'ils connaissent des certificats et tout ça. Maintenant, la partie design assessment, idéalement, c'est des ingénieurs, architectes, génie maritime et tout ça. Mais aussi, il y a les ingénieurs généralistes aussi qui peuvent faire ce métier-là, parce qu'ils vont s'intéresser. Parce que dans la partie design assessment, il y a plusieurs domaines, hein. Il y a le domaine de la coque. Moi, j'ai travaillé, par exemple, si, sur la partie électricité, automatisme et système de navigation. Voilà. Et voilà, moi je suis par exemple référent navigation, voilà, de mon entreprise, et puis aussi je fais partie de la délégation française pour l'écriture de la réglementation internationale dans le domaine de navigation et de sauvetage en mer. Donc je participe, je donne mon avis sur les systèmes GMDS, GMDSS, je vais dire bon non, moi je pense que cette réglementation est mal écrite, voilà ça, je peux proposer des choses. Donc ça, ce profil-là, il est un peu plus ingénieur. Architecte naval, ou soit ingénieur généraliste, ça peut être un ingénieur génie électrique, mais il va travailler plus sur la partie automatisme, comme ce que moi je fais, mais il doit connaître un peu le domaine maritime, parce que c'est un domaine un peu qui est un peu un truc. Et maintenant, idéalement, un ancien officier de la marine marchande, ça c'est vraiment idéal. Et puis, voilà. Et puis pour les équipementiers, effectivement, même un BTS, par exemple, les surveilleurs, pour ce que je disais, suivre les équipements chez le fabricant. Là, on n'a pas besoin de connaître le navire, parce qu'on sera toujours chez le fabricant pour suivre les tests et tout ça. Donc, il faut connaître sûrement son métier, si ce sont comment on appelle ça même, les normes électromagnétisme, ça, tu dois connaître la comptabilité électromagnétisme, tout ça, pour faire ce genre d'essais. Là, il faut être un ingénieur dans le domaine d'électrique, un génie électrique et tout ça, comme ça, tu peux faire ce genre de métier-là. Voilà, ça, on n'a pas forcément besoin de maîtriser le domaine maritime. Et à part ces compétences basiques, est-ce qu'il y a des qualités qu'il faudrait avoir pour travailler au sein d'une entreprise de classification? Oui, il faut avoir des qualités. Il faut vraiment, c'est de l'éthique, hein. Il faut être très rigoureux techniquement. Déjà, de manière personnelle, il faut être très, très rigoureux parce que il faut avoir un peu de caractère. Hein, parce que quand on classe le navire, on va dire, bon, il y a une non-conformité là. Il faut rester sur sa position. Il ne faut pas être. Bon, il faut éviter la corruption. Ça, c'est vraiment très, très important. Donc, il y a l'éthique à respecter. Il faut être Et intègre. puis, voilà, intègre, voilà, effectivement. Et puis, il faut aussi être un. Ouais, il faut beaucoup travailler parce que les navires, on a l'impression que les navires ne s'arrêtent presque jamais. Même la nuit, on navigue et tout ça. Donc, on peut s'appeler à tout moment. Donc, il faut avoir une certaine passion pour le domaine maritime pour pouvoir y rester. Et puis, il faut aimer voyager aussi. Il faut aimer
déplacer aussi, parce que c'est très, très important. Puis il faut une grande curiosité parce que en contrôle, il faut aller partout, vérifier tout ça. Voilà. Il faut une grande curiosité. Et je pense, hein, je le dis, tu vas me corriger si c'est faux, il faudrait aussi être prêt à s'améliorer tout le temps, à tout le temps s'améliorer, ne pas s'asseoir sur les acquis et passer, se dire que voilà, c'est bon, je suis. Exactement. Et puis quand on est dans l'expertise, l'expert, il doit être humble intellectuellement. Il doit être humble intellectuellement. Il doit se dire, bon, dès qu'il a un petit doute, il peut demander l'avis d'un autre expert, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que la décision d'un expert, c'est la décision d'un expert. Donc quand tu donnes une décision, l'armateur, il applique, le chantier, il applique. C'est dit, bon, ok, l'expert a validé, moi, je ne parle plus. Il avance. Voilà. Et donc, il faut vraiment demander son avis. Super. Alors, nous avons beaucoup de questions et d'abord, nous allons les prendre très rapidement avant de continuer. Nous avons Monsieur Bell qui revient en disant, est-ce que c'est l'IACS qui édicte les règles communes ou alors chaque société de classification édicte son règlement? Et quel est le rôle de l'OMI dans la classification? Oui, question très intéressante. Il y a deux types de règles. Il y a United Regulation, ce sont les règles de l'IAC, c'est-à-dire les sociétés de classification se mettent ensemble et font leur réglementation commune. Et chaque société de classification a aussi son règlement. Voilà, donc ça, par exemple, Bureau d'État, on a notre règlement, DNV a son règlement, mais aussi on a la réglementation commune. Par Mais exemple, je peux est-ce donner un exemple. que... Oui, vas-y, finis d'abord. Je vais donner un exemple de réglementation commune. Par exemple, on a une réglementation commune sur le Software Development Plan. Par exemple, pour développer les logiciels, on a une réglementation sur ça. Tous les logiciels qui seront dans le même maritime. Sur le contrôle, les systèmes de contrôle et tout ça. Ah, c'est un exemple, par exemple. OK, On mais a un est-ce exemple, que... par exemple. Non, Bah, vas-y. voilà, on a un exemple de réglementation commune aussi sur les tests environnementaux, par exemple. OK. Voilà. Mais est-ce que ces règlements sont accessibles à tout le monde? Ou c'est juste à Oui. l'amateur OK, super. Oui. Donc, Oui, n'importe qui peut consulter les règlements de oui. Bureau Veritas ou de De DNV. Exactement. Justement, parce que si je veux le chantier, comment le chantier va fabriquer le navire? Le chantier va fabriquer le navire en se basant sur notre réglementation. Donc, le chantier doit avoir cette réglementation. Parfois, pour choisir une société de classification, ils vont analyser les réglementations un peu. Il y a les réglementations qui sont un peu plus strictes, d'autres moins strictes. Donc, parfois, ils ont tendance à aller sur les réglementations moins strictes. Si, Je vois. voilà, si le client n'impose pas. Voilà, c'est ça. Nous avons une autre question de M. Cheikh qui dit, quelles sont les obligations des États, État du port, port stat, contrôle et État du pavillon sur la tenue des certificats? Super, Quel très genre de bonne question. certificat? Ça dépend des certificats. Voilà, il y a OK. plusieurs types de certificats. Il y a les certificats qui sont les certificats pour les sociétés de classification. Ce sont les certificats de classe. Voilà, sur les certificats de classe, il n'y a que la société de classification qui a sa responsabilité. Maintenant, il y a les certificats SOLAS. Les certificats de SOLAS, et c'est ça, l'état du pavillon va déléguer ce rôle-là, l'état à une société de classification pour vérifier si ces navires ont tous les certificats de SOLAS sur à bord. Voilà. Ça peut être certificat de sécurité pour navires de charge, certificat radio-électrique. Il y a plusieurs types de certificats. Et il va vérifier au regard de ce navire, est-ce qu'il respecte tout ça. Maintenant, c'est ça l'obligation des États. Donc, l'obligation des États, c'est de s'assurer que les navires qui battent son pavillon respecte la réglementation internationale, c'est-à-dire les conventions internationales qu'elle a signées. SOLAS, Marine Pollution, doit s'assurer de cette réglementation. Et comme moyen, l'État va déléguer cette responsabilité à une société de classification. Super, Voilà. merci Maintenant, beaucoup. l'État du port. Ouais. Voilà. Et effectivement, ça, c'est assez intéressant parce que déjà, il y a des ports qui ont des réglementations. Avant de rentrer, il faut respecter ça, il faut telle taille de navire doit rentrer ici, il faut, par exemple, lorsque tu amarres, il faut respecter ça. Donc, l'état du port aussi peut faire son contrôle sur un navire, s'assurer que
tout se passe bien sur le navire au regard de sa réglementation portuaire, c'est pour ça qu'on dit le contrôle du navire par l'état du port. D'accord. Voilà. Nous allons passer à Monsieur Bell qui revient à quand une société de classification africaine? Ça, c'est Ça une me question fait rire pertinente. parce qu'on en a parlé tout à l'heure, toi et moi. Exactement. Exactement. Voilà. Non, mais c'est la question de Cyril est très pertinente. Mais en fait, justement, il faut les gens comme vous, les gens comme moi, pour créer une société de classification. Mais attention, attention. La société de classification, comme j'ai dit, je pense que, voilà, Cyril a dit africaine. Voilà, je suis d'accord. Je pense qu'il faut régionaliser la société de classification. Nous, dans notre cas, avec les moyens que nous avons, je pense que, par exemple, la Côte d'Ivoire, le Togo, moi, ce que je vois, le Sénégal, le Bénin, on crée un mémorandum et puis on crée nos sociétés de classification. Je pense que ça existe, le mémorandum, déjà, Ah, dans notre d'accord. zone. Oui. Donc, il faut, à partir de ça, créer cette réglementation de sociétés de classification et puis on aura nos sociétés de classification. Mais, ça peut être intéressant pour nous. Mais quelles sont les activités? Parce qu'il faut d'abord développer notre industrie. Il faut développer notre industrie. On n'a pas assez de chantiers navals. On a des petits chantiers. Tu ne vas pas aller dire à quelqu'un qui fabrique un navire de 5 mètres de se classer son navire. Tu dis, mais voilà, des petits navires là, qu'on fait. Mais c'est vrai que, donc, aujourd'hui, il faut déjà qu'on développe notre industrie maritime en matière de fabrication de navires. Et en ce moment, on va imposer. Mais on peut partir pas à pas, puisqu'il y a plusieurs métiers. Il y a la partie nouvelle construction. On peut travailler sur la partie navire en service, s'assurer, ou les équipements à bord. Dit que tous les équipements qui viennent, qui battent le pavillon, par exemple, tantôt, mais on a combien de navires aussi? Voilà. En fait, il faut travailler sur ça. Mais on va y arriver. Parce que Oui, ça relève de la souveraineté. c'est un rêve, comme le dit Marie-Ashley Nadan, Voilà. que nous rêvons tous. Exactement. Et je sais que nous sommes déjà en train de travailler pour qu'on puisse l'avoir. Mais je voudrais comprendre, s'il y a un mémorandum, qu'est-ce qui empêche cette création? Bon, je pense que c'est une volonté étatique. Et puis, Comme d'habitude en mais Afrique. voilà, Comme et d'habitude en puis, Afrique. exactement, mais aussi factuellement aussi, le domaine maritime est quand même très complexe, hein, techniquement. Mais techniquement, très, très complexe. Hein. Je pense que les États aussi se disent que peut-être que, par exemple, moi, je sais que, par exemple, ce que je fais, je le sais. Je sais qu'il n'y a même pas en Côte d'Ivoire, design assessment. Je sais. Parce qu'en fait, pour faire ça, il faut des grands chantiers navals. Et donc, design assessment, analyser le design des navires. Donc, je pense que c'est une activité que, il faut déjà comprendre comme les espèces se regrouper comme on le fait. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, quelqu'un qui vient de dire avant tout, il faut qu'on soit unis. Voilà, c'est ça. Exactement, Déjà, il ça. faut se fédérer. Quand on va se fédérer, les choses vont sortir de manière fluide. On va trouver des solutions. On va voir quelles compétences existent, quelles compétences n'existent pas, comment on peut développer telle compétence, qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça. Et Maritime Africa, franchement, félicitations. Je pense que vous travaillez dans ce sens-là parce que vous Exactement. fédérez tous les acteurs du monde maritime autour Les mettre en avant, de les mettre en montrer. avant et tout ça. Voilà. Donc, Voilà. exactement, c'est ça l'un de nos objectifs, c'est mettre la lumière sur les professionnels africains et pour qu'ils puissent se connaître aussi entre eux et puis voir après, nous sommes en train de travailler sur ça, comment on puisse créer un creuset afin que tous puissent se rencontrer et participer de façon pratique à l'évolution du secteur en Afrique. Exactement, exactement. Alors, nous avons d'autres questions. Nous avons Monsieur Olivier Daris Angé qui dit un développeur peut également faire ses métiers. Mais bien sûr, ils sont vraiment beaucoup demandés, les développeurs dans le secteur maritime. Aujourd'hui, avec le IoT, avec les navires autonomes, justement, il faut que, on était d'accord, il doit écrire un article sur les navires autonomes, les smart ships. Voilà, Oui. il faut, oui, développer l'informatique, parce qu'aujourd'hui, il y a la cyber.
la cybersécurité qui est en train de se développer avec les IoT, Internet of Things, les navires autonomes qui se développent et les activités dans le domaine maritime sont vraiment faites en remote, sont vraiment faites en remote à partir de la terre. Il y a beaucoup de liens maintenant entre le navire et la terre et il y a beaucoup de logiciels qui se développent aussi pour faciliter le travail de l'officier de quart et puis faciliter aussi le travail un peu aussi les administratifs au niveau portuaire d'ailleurs, ça se développe. Il y a la convention FAL qui essaie de développer aussi tous ces aspects-là. Donc, ils sont vraiment beaucoup recherchés. Par exemple, ici, nos outils qu'on développe, il y a chez nous, au bureau de l'État, il y a les experts qui sont là, qui développent sûrement des outils pour nous, pour qu'on puisse valider les navires et tout ça, la revue design en 3D. Voilà. Non, c'est un domaine qui. On a même plus besoin de développeurs informatiques dans ce domaine. Nous avons Monsieur Yeoki qui dit, titulaire d'une licence en logistique transport, quel parcours à suivre pour embrasser l'un des métiers de l'expertise navale? Ah, ça Bon, fait rêver. ouais, je pense que ENIEO, c'est plus l'expertise maritime qui pourrait être un peu plus facile pour lui. Si la logistique de transport, voilà, l'expert maritime, il pourra même créer son entreprise, il va suivre, il va faire ce qu'on appelle le draft survey, il va calculer un peu, il sera l'arbitre sur la quantité de marchandises chargées à bord entre le transporteur et le chargeur. Et ça peut être intéressant. Maintenant, s'il veut réorienter son parcours, pour faire vraiment de l'expertise maritime, il faut qu'il rentre un peu dans l'ingénierie. Un peu dans l'ingénierie. Soit il peut Vous faites faire la sûreté l'expertise navale, navale. tu veux dire? Voilà. Oui, s'il veut faire l'expertise navale, il faut qu'il rentre un peu dans l'ingénierie. Parce que c'est les profils un peu qui sont recherchés. Voilà. S'il veut être équipementier, il faut qu'il. Voilà. Là, il faut des choses, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Yo, pour cette question. Nous avons aussi Monsieur Tchèque qui dit, belle analyse sur les mémorandums d'entente MOU d'Abuja. On peut, à partir de là, créer des sociétés de classification. Merci beaucoup. Exactement, merci, Ishak. Effectivement. Et nous avons Madame Marie Ashley Nadon qui dit exactement, entre la politique et le manque de qualification, nos pays ont pris l'habitude de sous-traiter ou en tout cas faire appel à l'étranger. Exactement. Exactement. Mais nous allons peu à peu travailler sur cela. Nous avons Monsieur Awandoku Damien qui dit l'Afrique est en retard. Que faut-il faire car le volume est limité, ce qui fait que les gros navires n'arrivent pas en Afrique à cause de notre faible capacité en matière de superstructure des ports. Très pertinent. Ouais, effectivement, que faut-il faire quand le volume est limité? Ouais, effectivement. Oui, je vais profiter pour parler des élites parce que voilà, parce qu'il y a la vision derrière. C'est pour ça que nous, on s'est dit, ça c'est l'industrialisation. Ça c'est un point de l'industrialisation. C'est un point de l'industrialisation. Et si on commence à s'industrialiser, parce que le domaine maritime, 95% du transport, du commerce international, c'est le domaine maritime. Exactement. Et donc, ce qu'on doit savoir, c'est que nous, on doit d'abord penser à industrialiser, d'abord travailler sur la partie agriculture. Si on travaille sur la partie agriculture, on a nos matières premières, on doit être capable d'abord de s'autosuffire, après d'exporter, et puis être capable aussi d'analyser les choses qui se passent chez nous. Et trouver des solutions techniques par nous-mêmes. C'est là, comme ça, qu'on pourra trouver des solutions à ce genre de problème-là. Et aussi, si on est capable de produire, donc on aura de la quantité. Si on a de la quantité, on a de la quantité à exporter. Je ne sais pas si vous voyez. Et comme ça, pourquoi dans la stratégie des grands armateurs, ils ne viennent pas beaucoup en Afrique avec des très grands navires? C'est simple. Si je viens avec un grand navire dans un port, quand je décharge, qu'est-ce que je fais après? Je sors vite, mais je perds de l'argent. Voilà, c'est un principe logistique. Donc, ils vont choisir un hub, par exemple à Tanger. Ils vont décharger. De Tanger, maintenant, ils vont envoyer les petits navires vers nous.
Voilà. Et donc, y a ça. Donc, il faut cette capacité de production et aussi créer aussi cette capacité aussi, cette opportunité d'affaires en termes d'exportation qui va faire que les grands navires viendront et ils pourront charger aussi et puis sortir avec ça. C'est ça aussi. Oui, en fait, tout est à refaire en Afrique, où tout est à améliorer, disons. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il faudrait que les professionnels des secteurs soient vraiment aux commandes. Parce que il faut le dire, ce n'est pas nécessairement des professionnels des secteurs qui sont aux commandes en Afrique. Tout est politisé, il faut le dire. Et il faudrait quand même que quand c'est politisé, que nos autorités prennent des experts des secteurs, des professionnels des secteurs pour les conseiller. Exactement, C'est exactement. très important, en fait. Alors, nous avons M. Tchèque qui revient. La place du droit maritime et de la sécurité maritime sur le milieu maritime. Problème sur l'insertion professionnelle. Alors, je sais pas si tu comprends la question. Oui, j'essaie de comprendre la place du droit maritime et de Et la de la sécurité sécurité maritime maritime sur le sur le milieu. milieu maritime. Problème de l'in. Ah oui, peut-être que. Ouais, ok. Bon, en fait, il faut reconnaître qu'il y a une différence entre le droit maritime et la sécurité maritime. Il y a une grande différence, une très, très grande différence, parce que le droit maritime, qu'est-ce que le droit maritime va faire? Le droit maritime va réguler. Les règles qui existent entre les acteurs du monde maritime. Là, je parle du transport de marchandises. Et c'est là, il aura la convention de Rotterdam, il aura plusieurs conventions. Et voilà, on va s'assurer qu'il y a des règles de transport puisque c'est un domaine international. Donc, à partir des conventions internationales, on va définir des règles. Et puis, parfois, on peut avoir des incoterms à respecter, free on board, cross insurance and freight et tous ces aspects-là. Mais la sécurité maritime, c'est un autre domaine. La sécurité maritime est vraiment un autre domaine parce que là, je ne parle pas de sûreté maritime, je parle de sécurité maritime. Donc, la sécurité maritime sera gérée par la SOLAS et les sociétés de classification qui ont classé un peu le navire sur certains points. Et dans la sécurité maritime, je pourrais peut-être un peu introduire un peu quelque part la partie sûreté, l'ISPS code qui va gérer tout ça. Maintenant, sur la partie problème de l'insertion professionnelle, je pense que Cheikh nous dit que si on fait le droit maritime, les études en droit maritime et on fait aussi les études en sécurité maritime, après nos études, qu'est-ce qui se passe? On a du mal à se positionner sur le monde professionnel. J'ose espérer que c'est ce qui est. Cheikh veut nous dire. Cheikh a effectivement raison. Il a effectivement raison parce que, étant donné que nous ne sommes pas des pays maritimes, des grands pays maritimes, on peut avoir un peu de difficulté à avoir du boulot lorsqu'on finit ce genre de métier. C'est pour ça qu'il faut beaucoup investir dans le domaine maritime. Et puis, c'est des domaines vraiment qui sont quand même un peu rares. Mais la chance qu'on peut avoir aussi quand on fait ce genre de diplôme, c'est qu'on peut créer sa propre structure, par exemple, pour être expert maritime et accompagner les transporteurs ou les chargeurs maritimes dans la réglementation ou faire les dossiers pour eux aussi. Ça, c'est aussi très, très important aussi. Voilà, donc je pense que j'ai peut-être répondu à la question de Cheikh sur ça. Merci beaucoup. La discussion est tellement intéressante que nous avons dépassé l'heure, mais bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est comme on dit, L'essentiel, comme j'ai c'est dit. que ceux qui nous suivent prennent du plaisir à partager avec Exactement, nous ce moment. exactement, Alors, exactement. je voudrais savoir, une journée type dans la vie d'un expert naval travaillant dans une société de classification. Exactement, ça dépend de quel aspect, quel métier Oui, il fait. Donc, ton ma cas, journée type alors. voilà. Voilà. Bon, moi, ma journée type, c'est de. Je viens le matin, je regarde mes priorités de plan, puisque j'ai plusieurs plans, je travaille, je suis plusieurs navires en construction simultanément.
J'analyse les plans, je regarde les questions techniques, je traite les questions techniques, j'aide les armateurs. Quand j'ai des déplacements, je programme mes déplacements, je vais valider des équipements, ou soit aussi quand j'ai des livraisons, je vais faire des livraisons aussi pour les navires, faire des essais et puis valider les systèmes. Voilà, donc ça, c'est ma journée vraiment type. Je rentre, je viens, je fais mes réunions, soit techniques. S'il y a des réunions, je fais. Si je n'ai pas de réunion, c'est revoir les plans, les analyser. Revoir les plans, les analyser. Et puis aussi, parfois aussi, participer au groupe de discussion. Nous avons Monsieur Yeo qui dit, j'apprécie totalement votre parcours et ça fait plaisir de voir des devanciers parler de maritime. Félicitations, monsieur. Comment peut-on avoir la bourse pour ENSM Bouismail? Exact, ça, c'est mon école maritime. Donc, je ne sais pas, OK. peut-être que c'est un ancien de ce petit. Voilà. La bourse pour l'école nationale supérieure maritime de Bousmael. Bon, en fait, l'Algérie, c'est un pays qui est un peu. Je pense que l'école en Algérie est presque gratuite. Donc, Ah, d'accord. oui, ça, c'est vraiment c'est du social, quoi. Ça, c'est l'une des écoles, l'école nationale supérieure maritime de Bousmael, c'est l'une des écoles d'excellence. En Algérie, où on fait des concours, puisque 300 personnes peuvent faire le concours, il y aura, pour les Algériens, il y aura 20. Mais à Bousmael, pour avoir une bourse, il faut passer forcément par un État. On ne peut pas avoir de bourse comme ça. C'est des bourses de coopération. C'est par coopération qu'on rentre à Bousmael. Donc, c'est l'État de son pays, par exemple, qui va faire une demande de bourse à l'École nationale supérieure de Bousmael, qui va lui donner. Donc, c'est Bousmael qui décide. Qui propose, qui voilà, qui propose Le candidat. voilà des candidats, qui dit bon, je vais donner deux bourses par exemple à tel pays, et puis le pays va choisir un peu ces choses-là. D'accord, nous avons encore quelques apports. Nous avons Monsieur Damien Arandoukou qui dit, je dirais, les sociétés de spécialisation dans le domaine maritime, nous en avons besoin car les États n'aiment pas investir beaucoup d'argent dans le maritime, d'où il faut faire des concessions. Mais force est de constater que certains États, dans certains États, je pense, ces clauses ne se respectent pas à cause de l'alternance au pouvoir de nos dirigeants. Pour ma part, tout est à revoir, en tout cas sur certains aspects techniques des ports. Merci beaucoup. Exactement, exactement. Très, très belle intervention. Nous avons Monsieur Jean-Philippe Akoué qui dit, quelle est la place de la sustainability? Impact environnementaux dans le domaine maritime dès la conception. Très belle question. C'est très, très belle question. Mais vraiment. Non, mais vraiment, bravo, Jean-Philippe. Très, très belle question. Mais ce qui est intéressant, c'est on a tantôt parlé de ce qu'on appelle la MARPOL, Marine Pollution. La MARPOL, il y a six annexes. Six annexes. Donc, annexe 1, annexe 2, il y a l'annexe qui parle de la pollution de l'air et la pollution, les pollutions la pollution environnementale. Et donc, à la conception du navire, on va définir des systèmes techniques qui permettent de réduire le taux de CO2 dans l'atmosphère. Par exemple, il y a des systèmes techniques, je ne sais pas si Jean-Philippe Point, mais je vais lui dire quand même, le SIR, on appelle ça Selective Catalytic Reduction, qu'on trouve aussi sur les centrales thermiques. C'est de l'urée et de l'eau qu'on met dans la fumée, je vais l'exprimer de manière très simpliste, pour nettoyer la fumée en sortie de la cheminée. Voilà, comme ça, le taux de CO2 va se réduire. Voilà, ça, c'est un point. Ça, c'est un exemple. Et puis, on a ce qu'on appelle les scrubbers aussi. Il y a ce qu'on appelle les scrubbers, c'est un système technique pour le moteur, pour réduire aussi le taux de. Donc, c'est une réglementation qui est exigée selon les zones de navigation, Jean-Philippe. Selon les zones de navigation, on a des zones tiers 2, tiers 3, voilà, telle pollution doit être respectée et tout ça. Donc, à la conception, il y a des systèmes techniques qui permettent de réduire les impacts environnementaux derrière. Ça, c'est la pollution de l'air. Mais aussi, il y a la pollution, il y a la pollution aussi, je vais dire de l'eau. Donc, c'est le ballast water treatment system. Voilà. C'est quoi le ballast water treatment system? Ils se sont rendus compte que le ballast, c'est quoi? Un ballast, c'est quelque chose qui permet de donner de la stabilité à un navire au départ. C'est-à-dire que lorsque le navire est vide, on va remplir les ballasts pour donner un peu de stabilité au navire. Mais
quand on remplit le ballast, c'est de l'eau de mer qu'on a qui est le plus moins cher. Et donc, imaginez, en Chine, je prends l'eau de mer en Chine et je viens en Côte d'Ivoire, mon pays. Je prends les animaux avec de l'eau, les animaux marins en Chine. Et je viens, après, quand je décharge, quand je charge maintenant mon navire en Côte d'Ivoire, je vais décharger un peu la ballast, les ballasts. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai transporté les animaux et je les ai déversés en Côte d'Ivoire, alors que ce n'est pas forcément leur milieu de vie. Donc, ils ont dit non, mais non, voilà ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un système de management des eaux, des ballasts, avant déversement. Donc, c'est pour ça que cette convention existe, Ballast Water Treatment System. Voilà. Donc, Ok. tout est géré, les eaux usées, tout est géré à bord. D'accord, super. Nous avons Madame Aïssé Axel Candice Keke qui dit comment est géré les méthaniers sur les aspects environnementaux? Oui, en fait, les méthaniers, effectivement, les méthaniers sont un cas particulier des navires. Déjà, les méthaniers vont respecter les conditions générales de conception que je viens de citer, c'est-à-dire les systèmes SIRR et tout ça. Mais le méthanier a une particularité, c'est que le méthanier, déjà, il se liquéfie à moins 162 degrés Celsius, le méthane. Donc, on transporte les méthaniers sous forme liquéfiée. Donc, à moins 162 degrés Celsius, le méthanier sera liquéfié. Et donc, il y a un petit gaz, un peu comme le coca. Vous voyez, le coca, c'est un gaz qui est liquéfié. Et donc, il y a un petit truc qui sort là. Donc, on appelle ça le boil-off. Donc, on va prendre ce boil-off là, on va répandre et puis on va donner encore de la propulsion. Ou soit on va utiliser aussi pour liquéfier et puis faire revenir encore un peu dans le cuve. Donc, ça, c'est un système qui permet aussi de lutter sur les aspects environnementaux chez les méthaniers. Les méthaniers sont un type de navire aussi en matière de sécurité. En matière de sécurité, dans la conception, on a trois espaces. Voici le méthane qui est dans les cuves. On a d'abord premier espace qu'on appelle les espaces primaires, c'est-à-dire quand le méthanier il sort de cet espace-là, il va descendre dans un espace primaire. Après encore, quand il dépasse cet espace primaire, il va encore dans un espace secondaire. Donc, pour que le méthanier puisse se déverser dans sa conception, et ça sera vraiment très compliqué puisque on double les coques. Et puis, on envoie aussi de l'azote dans ces espaces-là pour faire ce qu'on appelle l'inertage. Voilà, pour conserver et tout ça. Donc, Axel, les méthaniers respectent d'abord les règles environnementales pour tous les autres navires. C'est-à-dire mettre des conceptions techniques comme ce que je viens de dire à Jean-Philippe. Et puis, deuxièmement, dans sa conception intrinsèque, va définir plusieurs espaces pour limiter sa pollution. Merci beaucoup, Madame Keke, pour cette question. Alors, nous allons essayer de prendre encore, oui, nous avons un apport que nous allons lire tout à l'heure, mais je voudrais savoir comment est-ce que les sociétés de classification peuvent aider ou aident déjà l'Afrique à développer le secteur maritime? L'intervention précédente tout à l'heure répond plus ou moins à ma question parce que il disait que il y a beaucoup de choses qui se passent, la volonté étatique dans le respect de la réglementation, de certaines choses. Donc, les sociétés de classification peuvent contribuer au respect des exigences internationales et de manière vraiment incorruptible. C'est-à-dire que c'est ça l'avantage d'une société de classification. C'est de manière impartiale veiller au respect de la réglementation. Donc, ça, c'est un aspect vraiment très, très important en termes de sécurité de la navigation, sécurité maritime en général, sécurité des ports et tout ça. Donc, on peut contribuer à cela de cette manière. Et aussi, le soutien des classifications aussi peuvent contribuer aussi à aider les États de manière sur les aspects techniques, à écrire une réglementation maritime vraiment adaptée à notre environnement en Afrique, voilà, pour voir ce qu'on a aujourd'hui en termes maritimes, si on a par exemple les pirogues, voilà, puisque aujourd'hui,
Il y a beaucoup de normes de construction qui ne sont pas respectées. Donc, on peut adapter nos petites unités de classification, définir nous-mêmes nos petites réglementations de telle manière à respecter cette sécurité-là d'abord avant d'aller, lorsqu'on évolue techniquement sur les grands. Donc, il faut déjà maîtriser ce qui est là. Disait un jour un de nos aînés qui s'appelle Stanislas Zizé, qui disait que l'innovation, elle est relative en fait. L'innovation, même si quelque chose existe quelque part, si tu viens et que tu appliques sur toi alors que ça n'existe pas, tu innoves en fait. Donc notre innovation peut commencer déjà par ça. Créer des petites structures où nous allons définir une petite réglementation, même pour les pirogues, pour les petites choses, les petits bateaux qu'on commence à construire, nos petits ports, créer une petite réglementation, les appliquer, appliquer ces choses-là, c'est des normes de construction, et on évolue tout doucement. Donc voilà l'apport de la des sociétés de classification, sécurité maritime, développement technologique surtout, et puis accompagnement des gouvernements sur la structuration des réglementations internationales pour comprendre ce qui se passe, pour qu'on ait un avis, on ait un avis à l'ONU. Super. Alors, nous allons prendre une petite pause pour te permettre de souffler un peu parce que nous avons encore d'autres apports. Nous Il n'y sommes a là pas de depuis plus problème. d'une heure et Oui, c'est la passion. nous allons aussi en profiter pour mettre un peu en avant sous tous ceux qui supportent Maritime Africa Live parce qu'il faut dire que c'est des dépenses. Maritime Africa Live, c'est des charges. Donc, nous avons quand même des entreprises qui participe à ce que vous tous, vous puissiez avoir Maritime Africa Live aussi souvent que possible. Donc, nous allons essayer et nous allons les mettre en avant. Et nous avons le Centre Tréma de Dakar qui nous supporte depuis 2 ans. C'est une université maritime et logistique et qui est basée à Dakar, mais qui reçoit des étudiants d'un peu partout, du Sénégal et du Bénin, du Togo, du Congo, un peu partout. Nous avons aussi un de nos partenaires, Marineland, qui est un fournisseur, une société qui fournit de l'équipement maritime aux ports, aux entreprises d'offshore, à ceux qui font de la pêche aussi. Et ils offrent aussi des équipements de protection individuel. Vous pouvez aller sur le site marineland.co. Nous avons Africadex qui est une là je crois que voilà, nous avons Africadex qui est une entreprise qui accompagne les sociétés du secteur au niveau de la sécurité et qui offre plusieurs services et qui travaille d'ailleurs sous le contrôle de Bureau Veritas. Ils sont certifiés Bureau Veritas, ce dont on parlait tout à l'heure. Et voilà à peu près pour nos différents partenaires. Nous avons aussi Elite, le club Elite, l'association Elite dont Monsieur Mohamed Sissouma est le président. Et Merci. c'était pour introduire à notre partie où nous devons parler de Elite. Mais avant cela, nous allons prendre encore quelques apports. Ça fuse de partout et c'est ce qu'on aime. On aime bien quand ceux qui nous suivent réagissent. Nous avons Monsieur Amandoku qui dit, enfin, merci pour votre expertise d'apporter un plus dans ce secteur que j'aime si tant car je m'y plais. L'Afrique a accusé beaucoup de retard dans le maritime. Nous avions des conventions qui sont vétustes, d'où il faut les actualiser. Il est temps de créer enfin l'Organisation maritime africaine. Enfin, parlez-nous de l'énergie maritime. Si nous considérons la transition énergétique comme l'adoption des mesures d'efficacité énergétique, slow steaming, just in time, routage Exactly, météorologique. le routage météorologique. Ah, très très belle intervention. Ouais. Très très. Voilà, par exemple, on a posé une question sur comment on peut intervenir en termes de software Ouais. informatique. Par exemple, le routage météorologique en est quelque Un exemple. chose, un exemple. Voilà. OK, super. Nous avons Monsieur Tchèque qui dit, le danger sur la transposition des espèces d'un environnement à un autre du ballast, dû au ballast
et surtout ces espèces transportées, transposées vont à la longue s'habituer à ce milieu. Apparition de nouveaux Nouveaux espèces, voilà, des nouvelles espèces espèces. qui vont devenir des menaces sur les espèces trouvées sur place. Merci beaucoup, Exactement, Monsieur c'est ça. Tchèque. Merci, Chek. Oui, il y a Tchèque qui continue, qui dit tréma, une fierté. OK, nous avons un ancien étudiant de tréma avec nous. Alors, Monsieur Mohamed Sissoumar, vous êtes aussi, tu es aussi président président de l'association Elite avec qui Maritime Africa travaille depuis l'année passée. Exactement. Alors, présente-nous un peu ton association, l'association que tu diriges. Voilà. Élite. Effectivement, si vous avez remarqué, déjà quand on parlait du domaine maritime, naturellement, on a détecté beaucoup de retard au niveau de l'Afrique, les prises d'initiatives, la lenteur dans les prises d'initiatives pour nos États. Il y a beaucoup de choses qui manquent, effectivement, tout ça. Bon, nous, on s'est dit ici, ici à Paris, on s'est dit, mais en fait, qui va impulser le développement en Afrique? Qui va impulser le développement en Afrique? On se pose cette question, mais en fait, quand on regarde à gauche, à droite, mais en fait, c'est nous, en fait, c'est nous la jeunesse, c'est nous qui avons eu la chance d'avoir cette formation, c'est nous qui avons eu la chance. Donc, tout le monde a quelque chose à apporter dans le développement. Donc, on a défini un paradigme en se disant, on ne doit pas se poser la question de se dire, qu'est-ce que nos États vont nous apporter? Il faut qu'on se dise que Qu'est-ce? qu'est-ce qu'on peut apporter à nos États? Parce que OK. nous, on est dans une situation d'urgence de développement. Parce qu'il faut voir le développement comme une urgence pour l'Afrique. Il ne faudrait pas qu'on voit le développement comme quelque chose qui arrive. À situation d'urgence, on définit des mesures d'urgence. C'est pour ça que nous, on a décidé de se fédérer au sein de l'association Élite, de fédérer toutes les forces intellectuelles, de se mettre ensemble pour faire la promotion de l'excellence académique et professionnelle au service du développement de l'Afrique. Donc l'idée, c'est de prendre des ingénieurs, toutes les compétences, de se mettre ensemble et de créer plusieurs clubs. On a plusieurs clubs, le club industrie, le club politique, le club économie, le club RDSE, responsabilité sociétale, santé environnementale, le club économie, le club éducation, le club entrepreneuriat. Donc, tous ces clubs-là, il y a des ingénieurs, il y a des commerciaux, il y a même bien le club sport. Tout le monde doit se retrouver dans l'élite. Et au regard de sa compétence, de son parcours académique, pour apporter quelque chose, on va produire des documents. Par exemple, on a produit un document récemment par le biais du club numérique, le club industrie, le club éducation, sur les 10 postulats de l'industrialisation de l'Afrique, qui a été même publié par le journal Le Point. Voilà. Et donc, on fait des actions, on a des programmes, par exemple, dans le numérique que nous devons mettre en Afrique. Donc, c'est ça, Élite. C'est faire la promotion de l'excellence académique et professionnelle au service du développement de l'Afrique. Fédérer les forces intellectuelles, réduire les gaps de compétences qui existent entre les pays développés et les pays et nos pays, mettre en place des projets industriels d'envergure sur le continent et être un think tank de référence, apporter un soutien technique à nos gouvernements, comme ce que mon collègue vient de dire tout à l'heure, il faut apporter le soutien technique aux États. C'est ça, Élite, en fait. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je suis sûr que tous ceux qui suivent du côté de Paris ou hors d'Afrique pourront vous contacter pour se joindre à ce club Exactement. qui vraiment a vraiment à cœur d'agir. Et je peux dire que c'est pour avoir travaillé avec Elite sur plusieurs projets, je peux vous dire que c'est des personnes qui au-delà des paroles, veulent agir. Et d'ailleurs, je peux vous dire que c'est eux-mêmes qui nous ont contactés à Maritime Africa et qui ont dit, nous voyons ce que vous faites et nous pensons que nous pouvons l'accompagner. Et c'est vraiment ça, ce dont nous avons besoin en Afrique. Merci. Alors, la discussion a été plus longue que prévu. Nous sommes à 1h34 minutes. Mais c'était Exactement. très intéressant comme Merci, merci. discussion. C'était vraiment très Merci, Carlos. intéressant. Et mais les bonnes choses ont toujours une fin.
Alors, Exactement. quel est ton mot de fin? Mon mot de fin, déjà, je te remercie. Je te remercie pour cette opportunité et je remercie toutes les personnes aussi qui ont participé à la discussion, qui ont assisté, qui ont pris le temps de nous écouter pendant 1h30. Parce que c'était pas facile. Voilà. C'est pas facile d'écouter, hein. Voilà, c'est un peu difficile. Voilà, donc je remercie et j'espère aussi que j'ai pu quelque part contribuer à l'explication de ce qu'est une société de classification et aussi inspirer aussi quelques personnes aussi à travailler dans la société de classification et aussi par la discussion avec vous et les autres identifier quelques problématiques liées au domaine maritime en Afrique et puis enfin de trouver des solutions. Je pense que cette discussion ouvre aussi un canevas de possibilités sur les actions et des initiatives que on pourra prendre ensemble ou les personnes qui vont nous contacter après. Et je tenais à dire une phrase toujours, ça je le dis toujours, qu'il n'y a que l'engagement citoyen du jeune Africain qui pourra apporter le développement. Il faut qu'on soit Exactement. engagé. Il Il faut faut qu'on qu'on soit soit engagé. engagé. Il faut Il qu'on faut soit qu'on soit engagé. engagé. Voilà. Ouais. Donc c'est ça, c'est la seule chose. Et pas qu'engagé sur les réseaux à écrire, pas que par des paroles, mais par des actions. Oui, il faut le dire, parce Exactement. qu'à Maritime Africa, nous n'avons pas attendu que des personnes nous financent. Nous avons commencé. Nous avons commencé. Exactement. Et c'est ça. Il faut que nous puissions voir ce que nous pouvons faire chacun à son niveau. Et c'est tout ça là qui va apporter vraiment le changement que nous voulons tous. Exactement, exactement. C'est ça. Donc ça, c'était mon mot Merci de fin. beaucoup. Merci et bon week-end à tout le Merci. monde. Merci beaucoup, Mohamed, pour ce temps passé. Merci pour l'échange. Et merci vraiment à tous ceux qui nous ont suivis, qui ont posé des questions très, très, très intéressantes, qui ont apporté des idées. Merci à vous tous et merci de rester fidèles à Maritime Africa Live, l'émission qui se veut la voix de tous les professionnels africains ou non africains qui travaillent sur le secteur africain. Merci beaucoup à vous et à la prochaine.